Attends, dépêche-toi, tu vas être en retard. Je me sens pas bien, j'ai pas envie. Écoute, tu arrêtes ton cinéma, tu vas te laver les dents et tu files. Allez! Monsieur Albéric, veuillez ramasser les rédactions, je vous prie. Eh bien voilà, c'est 2 heures de colle. Et une petite conversation avec monsieur vos pères. Allez, c'est pas la mort quand même. Ouais, je connais vraiment pas mon père. Hein. Qu'à dire que ta mère a mis ta rédaction dans la machine à laver. Oh, ouais, super. Je l'ai déjà faite et je crois pas qu'elle a beaucoup aimé. Wow. Attends, j'ai une hyper bonne idée. Tu peux dire que des bulldogs. Oui, des bulldogs ont bouffé ta copie. Ouais, ouais. Ou sinon des Doberman. Ouais. Et toi, Nathan, comment tu vas lui annoncer? Je sais vraiment pas. C'est qu'elle a accepté comme amie sur Facebook. Ouais. C'est pas mal. Mais t'as pas peur qu'elle te confuse ta Nintendo? Non, ouais, tu m'étonnes. T'as qu'à lui dire que
Castingue, il est complètement dingue. Une note de rédaction impossible à écrire. Va me dire qu'impossible, c'est pas français. Et que ça fait pas partie de son vocabulaire. Tiens, je suis passée par là. Il a réagi comment, toi, ton père? Mon père a horreur. Mais horreur d'être convoqué. Allez les gars, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Bon, faut que j'y aille. À demain. Bonne chance. Yes, nice, I'm listening. Ça a été l'école? Pourquoi Anthony a la plus grande chambre? Parce qu'il la partage avec Cécile. Non. Moi je suis en 6ème, j'ai besoin d'espace pour travailler. Écoute, va parler maman parce que là j'ai autre chose à faire. Non, c'est important. Bon, vas-y. Allez, montre-moi ton spectacle de danse. Papa. Monsieur, bonsoir. Pas mal, tu as vu la passe? La liberté, mais dis-moi, qu'est-ce que la liberté? Comment peux-tu définir la liberté? Papa, je suis vraiment obligée d'aller au spectacle de danse de Marie-Capucine. Parce que tu sais, la 6ème, c'est très important. Alors, t'as bien vu que la cote de Damien Hirst, là, elle a baissé déjà? Aberrant, parce qu'honnêtement, c'est un des plus grands artistes du 21e siècle. Oh, il est très éphémère. C'est déjà... C'est passé. C'est fini. Je sais très bien que c'est important, Pierre Bulin, la 6e. Mais tu sais très bien aussi qu'on a discuté avec ta maman et qu'on a décidé qu'on irait tous voir ta petite sœur. Mais papa, j'ai golf le mercredi après-midi. J'ai violon le lundi soir. Papa, on fait quoi ce week-end? On ira à l'abbaye de Westminster avec Granny grand-père. Oh, mais pas encore, on est déjà allé avec tes cousins de Nouvelle-Calédonie. Oh, Adrien, tu sais, la culture, les visites culturelles, historiques, c'est très important, tu nous remercieras. On tombe à l'échec le jeudi, et si en plus je dois aller voir tous les spectacles de ma sœur, je ne peux jamais pouvoir faire mon travail pour la 6e. J'ai aussi eu 2 heures d'école. Hein? Mais c'est pas vrai, il y a faute là! Et la semaine prochaine? La semaine prochaine, on ira au cabinet. Le cabinet de Winston Churchill. Ah, mais
Mais oui, papa, on n'a qu'à faire une visite au lycée Charles de Gaulle. On pourrait le faire la semaine prochaine et puis mamie pourrait venir avec nous. Et puis je suis assez sûre que notre prof pourrait nous faire visiter. Excellente idée, ce serait très instructif et ta grand-mère serait ravie. Papa, mon prof de français veut te voir samedi matin. C'est une blague, Jasper. Je ne vais plus jamais revoir son visage. Tu m'entends? Plus jamais. Papa, tu sais, pour de vrai, c'est pas une blague. Monsieur Krasnag veut te revoir et... What, Nathan? You should be ashamed of yourself. Tu plaisantes, Jasper. Tu plaisantes. Dis-moi que je rêve. Or you'd be the first in the family. Je crois pas, c'est la catastrophe. Hope you got an explanation. Convoqué? Quoi? Encore? Cette fois-ci, c'est la dernière fois, tu m'as compris? Guilhem, c'est pas possible. Tu vas me promettre maintenant de faire tes rédactions à temps. Est-ce que c'est clair? Merci, Adrien. Merci pour cette bonne soirée. Maman, je pense que papa a peur de rencontrer Krasnag. Mauvais souvenir, je suppose. Ok, j'irai. Mais la prochaine fois, tu finis bien ta rédaction. Tu entends? On n'avait pas de pain. On n'avait pas de pain. Et l'on allait pieds nus. Et l'on allait pieds nus. Point final. Maintenant, vous sautez une ligne. Rédaction. Nouveau sujet. Vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes devenu un chanteur talentueux. Mais il est complètement décroché ce matin. Vous devez écrire une chanson sur votre famille. Et pourquoi pas sur mon hamster? J'ai quand même mieux d'écrire au jardin de ma grand-mère. Pourquoi? Elle habite dans un appartement. Vous devez écrire une chanson sur votre famille. Ceux qui n'écriront pas cette chanson auront 4 heures de retenue. Hors de question que je parle encore de ma famille, c'est ma vie privée. Mais c'est simple, personne ne l'a fait, il pourra pas tous nous coller quand même. C'est vrai. Bah peut-être, mais moi j'ai promis à mon père. Moi aussi. J'ai une idée, on a qu'à tous écrire la même chanson. Mais quoi comme chanson? Une chanson sur le droit de lyrique quand on veut. Même très tard. Mes parents me font éteindre la lumière à 8h30. 8h30. Oh, t'as de la chance, attends. Nous, on a que le droit d'éteindre la lumière quand on a fini notre devoir. Moi, je préférais le droit de ne pas lire du tout. Ouais, ça ramollit la tête. On pourrait faire une chanson sur les jeux vidéo. Mario Kart, dormez-vous. Toi, t'as vraiment envie de passer ton samedi avec Preston, non? Pas du tout. Toute ma famille y joue. Mon père, mon grand-père, mon frère. On y passe nos nuits. Trop de chance. Moi, j'ai que le droit de jouer quand j'ai fini mon assiette de légumes. C'est vrai qu'elle serait belle, la vie sans brocoli. Ah ouais. Les bonbons, ça pourrait faire une chanson rigolote. Ouais, vous avez apporté des bonbons. C'est trop bon les bonbons. Oh, ouais. Vous trouvez que les caries ou les brocolis peuvent faire une chanson? Soyez un peu sérieux. Faut trouver un vrai sujet. Bah la mode, c'est un sujet très important. Hein. Abercrombie et Hollister. Mes parents ne veulent surtout pas entendre parler. Ils trouvent que les marques, c'est de l'arnaque.
Non. Quoi? Attendez, attendez. On pourrait demander à nos parents comment ils se sont rencontrés. Ah bah si vous avez faim, voilà quelque chose de délicieux. C'est la première chose que j'ai fait à maman quand je l'ai rencontrée. Vous êtes connu sur les endives au jambon. Non, ma chérie, c'était grâce à Mary. C'est qui celui-là? Even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Mais en attendant, tu n'as pas de devoirs à faire. C'est fait. Oh. Tout le monde bat des mains avec moi. Wow, 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 wow. On chante. Wow, 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 wow. Encore. Wow, wow. Ah, c'est notre première maison. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerais. Tu te souviens de notre chanson? J'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. C'est quoi ça? Ça serait le bonheur. Tout le monde chante. C'est bien. Avec elle, on chantait pas, hein. Hugo, Hugo, va vite faire tes devoirs, va faire tes devoirs. On entend que vous dans le quartier. Enfin. Mais papa, on fait nos devoirs. Mais voyons, les devoirs. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais on doit écrire une chanson sur notre famille. Mais oui. Mais oui. C'est drôle. Quelle chanson vous écoutiez là sur la Wii? Liverpool Street Station, papa. Liverpool Street Station. Tu sais que c'est là où j'ai rencontré ta mère? Ah, je sais pas. Mais, allez. Trêve de plaisanterie. Allez, prêt, allez dans vos chambres, s'il vous plaît. Vite. Allez. Maman. Maman, maman. Thank you.
c'est la cata. Il a rien écrit. Annabelle, c'est pareil, blocage total. Absolument faire quelque chose, c'est pas possible. T'es sur Deadbook? Ok, connecte-toi. Ils doivent y arriver. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il faut qu'ils bossent ensemble, non? Oui. Ben, organisons une pyjama party pour qu'ils puissent rédiger ça ensemble, répéter ensemble. Ah, tout à fait, c'est une très bonne idée. Ok, tous les garçons peuvent venir chez moi, je préviens ma femme. Ah. Ok, et moi j'appelle la mienne et on organise la soirée des filles ici. Bon, ça va le faire. Ouais, j'en suis sûr, enfin. J'espère. C'est votre dernière chance. Alors vous êtes sérieux et vous la finissez cette chanson. Hein? Allez, au boulot. Oui, allô? Oui, c'est moi. Alors, elle travaille bien? Écoute, je pense. En tout cas, ça discute. Thank you.
Ouais, mais depuis qu'il a changé sa coupe, quand même. Ouais. Et j'aime trop être sa petite copine. Ah ouais. J'adore ce maquillage. Oh non, et ses fringues. Bof, hein, ça va. Quoi? Je préfère les fringues de Théo. Non, t'es dans la 6ème 3, tu rigoles. Alors, vous êtes prêts, les gars? Ouais! 1, 2, 3! Ouais, mais elle au moins elle finit ses devoirs avant minuit. Par les zombies. Je pars de la rédaction, la triple nouille. Oh. Ah bah on allait s'y mettre. Ok bah on fait chacun son couplet et après demain on mélange, ok? D'accord. Bon. On a une chanson à écrire. Alors, on y va. Allez, on se allez, chanson. Thank you.
salutez les filles. Ouais, ouais, super. Ça, c'est dingue, ça a marché, ça chante partout dans ma tête. Ah ouais, ouais, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Mais crasse dingue, il va être dingue. Tu veux être dingue. Ouais, elle ouais, va la voir cette chanson. Ouais, ouais, allez, on y va. Thank you.
Monsieur Krasting sera absent aujourd'hui. Mais il m'a quand même chargé de vous dire de terminer votre rédaction pour lundi. Mais c'est du chantage. Bah non, c'est juste une chanson à écrire. Haha, très drôle. Essayez d'écrire une chanson d'amour. Oui, là, mes parents sont rencontrés grâce à ça. Bonne chance, les enfants. Love, love. Mais oui, mes parents sont rencontrés grâce à cette chanson. Claude François. Frappant, non? Ouais, c'est vous. Tout le monde chante avec moi! Oh, oh, oh. Plus fort! Oh, oh, oh. Encore plus fort! Oh, oh, oh. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, ah, je mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange, une barrière. Please. As a boy
alors que vous avez 5 minutes de retard. On croit rêver. Bon, allez, mettez-vous en place. Vous répétez après moi? Plus rock? Alors là, mes chers enfants, pour chanter plus rock, il va falloir... Je vais lui montrer. Ah, bah mon cher ami, installe-toi au piano, tu as l'air sûr de toi. On va bien s'amuser. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna run around the clock tonight. 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 We're gonna run. Et c'est la fête de la musique ou quoi là? Moi je suis en plein bilan de maths, là, faut faire quelque chose, hein, c'est pas possible. Moi je trouve qu'il chante bien, c'est vivant, non? Ça change un peu, non? Et comment on travaille? Ouais, c'est n'importe quoi. Oh, c'est Bilal, toi là! C'est Bilal. Oh, oui, ça va, moi. C'est pas parce que votre professeur de français n'est pas là que vous pouvez vous permettre de faire les heures dans tout le collège. On entend vous depuis ce matin. Mais on fait notre devoir. On doit écrire une chanson. Écrire une chanson. Vous faites du copier-coller, là. C'est du plagiat, c'est pas de l'écriture. Moi, je vous préviens, hein. Vous êtes indigne du lycée français de Londres. Je préviens vos parents. Et à SACEM. Attends, on doit retrouver Krasteng ce soir et c'est lui qui doit la faire, cette chanson. Attendez, j'ai une idée. Vous avez des messages. C'est Katrina, votre professeur de musique. Je suis inquiète. Vous n'avez pas assisté aux deux derniers cours. Est-ce que tout va bien? Rappelle-moi, merci. 7h30, il est 7h30. Faut que je rentre sinon... Mon père va me tuer si je n'écris pas cette chanson. Allez les gars, on reviendra cette nuit. Allez. Ouais. Ouais.
réponse, surtout pas. Ouais. On dirait qu'il pense qu'à ça. Bonne heure, bonne heure. Moi, c'est ma mère. Elle dit quoi? Que lorsque vous l'aurez terminé. Alors, t'accouches? Je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas. Je peux pas. Non. Ça, je peux pas. Désolé. Impossible. Mais vous n'aimez pas les baked beans? J'ai pas réussi à écrire la rédaction. Père va me tuer. C'est pas si grave. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Luc! Oh, I tell you, they don't like baked beans. Okay, themselves? Yeah, they went to sleep a bit late. Hello, why the long faces? What's wrong, sweetheart? Papa, je vais pas arriver. Oh, what's going on? Oh, on lui dira que tu étais malade. Savoir que c'est un mensonge, je n'ai pas idée. Alors, je vais lui parler. Mais je croyais que... Je t'expliquerai, mais en attendant, il faut aller au collège. Allez. Alors? Mais qu'est-ce qui vous arrive? On n'a pas réussi. Monsieur Krastang va te convoquer. Ok, bon. On ira le voir, et tous ensemble. Ah oui, on y va tous. Mais je croyais que tu le détestais. Je t'expliquerai. On va voir Vincent dans la voiture et de toute façon tu vas être en retard à ton cours de français, donc on va y aller, d'accord? On y va. Adrien,
Tu vois, j'étais mais vraiment terrorisé à l'idée de me retrouver seul avec Krasteng. Je sais pas que j'avais peur de lui, mais... Je redoutais vraiment qu'il me raconte encore sa triste vie. Incroyable, tu sais. Ses parents l'empêchaient de faire ce qu'il aimait le plus au monde, chanter. Hey, et je te passe les terrifiants détails de ses souvenirs de pension. Hein. Lily, j'ai essayé de lui parler, de le consoler, de lui dire que le bonheur existe quand même, mais non, rien. Après chaque entretien, je faisais d'horribles cauchemars. Je me réveillais en sueur. Je pouvais pas me rendormir. J'étais effrayé à l'idée d'avoir pu rêver de vous faire du mal. De vous empêcher de faire ce que vous aimez. Vous comprenez? Allez, courage, mon bonhomme. T'inquiète pas pour ta rédaction. Bisous. Excusez mon retard, mais je viens de déménager. C'est une maison avec des grandes fenêtres. La lumière, c'est important. Et alors, cette chanson? Personne? Oh, c'est vrai que c'était pas facile. Remarquez, je comprends. Vous l'avez déjà, votre chanson. Je le sais. Vous ne pouvez pas me tout raconter. Love. Elle. It's for the way you look at me. N'est-ce pas, Annabelle? Et toi, Hugo? Si j'avais un marteau, j'y mettrais tout mon cœur. Quelle jolie façon d'exister. Bach, lui, a commencé son voyage à Liverpool Station, n'est-ce pas? Une chanson pour chaque génération, Amérique. Quoi de plus entraînant qu'un bon vieux rock pour traverser le temps. Eh bien aujourd'hui, c'est à mon tour. J'y suis enfin arrivé. Grâce à vous. Oh rien, rien d'extraordinaire. Elle s'appelle Famille. Une chanson que tout le monde aime. Une chanson pour être heureux. S, c'est la fabuleuse fierté des enfants. A, quand l'amour est harcelant. M, pour tous les moments marquants. I, pour les idées magnifiques de nos parents. Maintenant. Merci la fabuleuse fierté des enfants. Merci les enfants, j'ai une famille maintenant. Afin d'amour et d'insolent, merci. M. Merci. I. Les enfants. L. E. Ma famille. J'ai une famille. J'ai une famille. Maintenant. Quoi?
Ouais. J'ai fini mon assiette de bonbons. Mais oui, le Conscious Station, c'est où mon père rentre. Bien, et voici un bêtisier de plus, merci. Sortant la sixième. Je dépasse les détails de ce souvenir. Je ne me rappelle plus le truc. Je dépasse. Action. C'est pas loin de l'homme cher de faire le kilomètre. L'homme plus de Non, vous n'êtes pas drôle là. C'est terrible. Là, super, bêtisier, il en faut un, c'est très bien. Action.